tous. Aujourd'hui, c'est pour ces petits chaussons qu'on se retrouve. Je vais vous montrer comment faire pas à pas ces petits chaussons tout mignons pour bébé. Donc là, ça va être de la taille 3 mois. C'est assez simple à réaliser. Il suffit de maîtriser un petit peu les brides. Je vais également vous montrer comment réaliser des brides en relief avant et arrière pour celles et ceux qui ne savent pas faire. Mais globalement, c'est assez simple. On se retrouve de suite. Pour cette petite paire de chaussons, je vais utiliser aujourd'hui la gagnante de chez Plassard que j'ai déjà utilisée dans d'autres tutoriels, préconisation 3,5. Je vais utiliser un crochet de 3 parce que je souhaite que ça se tienne un peu. C'est pas, voilà, c'est pas tout mou comme petit chausson. Ça, c'est de la gagnante aussi de chez Plassard, mais c'est un reste de pelote et ça va être largement suffisant. Je vais faire les semelles avec. Alors, pour information, si vous avez besoin de savoir à peu près combien de fils vous avez besoin, il faut... J'ai pesé la semelle parce que je suis une vraie marchande de légumes au final. Une semelle pèse 3 grammes. Là, j'ai 9 grammes, donc j'ai largement assez pour faire les deux semelles. Donc, la gagnante, le crochet numéro 3, 1 mètre de couture, une paire de ciseaux et l'aiguille pour rentrer les fils. C'est parti pour le tutoriel. Pour faire ces chaussons, on commence par une chaînette de 12 mailles. Donc, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai donc là une chaînette de 12 mailles. Je vais rajouter 2 mailles supplémentaires. Donc 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et donc là, je vais venir faire des brides. La première bride va se faire dans la troisième maille à partir du crochet. Donc on ne compte pas le brin sur le crochet. 1, 2 et 3. On vient piquer dans cette maille là, donc la première bride dans la troisième maille à partir du crochet, et des brides comme ça on va venir en faire 11 au total. Donc 2, 3, 4, roule un peu, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Dans la dernière maille qui se trouve donc ici, on va venir faire, dans le même espace, on fera 6 brides. Donc 1, 6 dans le même espace, 2, 3, 4, 5, 5 et 6. On va repartir dans l'autre sens en faisant 10 brides, pardon. Donc on repart dans... On remonte. Et c'est parti pour 10 brides sur le sens inverse. En prenant... Vous allez essayer de prendre le fil qui est là pour le cacher, en fait. Bon, après, si vous faites pas ça, c'est pas très grave. Hein. Vous pourrez le rentrer après le fil, mais idéalement, comme ça, ça vous casse pas trop la tête. Et surtout, on va pouvoir tirer dessus. Et ça va refermer, en fait, le bout de la semelle. Je vais vous montrer ça. J'ai pas compté. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais y arriver. 10. Donc vous voyez le fil derrière, hop, invisible. Ça sera déjà un fil de moins à rentrer. Bon, après, vous allez voir, hein, sur le petit chausson, il n'y a pas beaucoup de fil à rentrer. Le fil, là, vous pouvez le prendre et on va resserrer le bout de la semelle. Hop, en tirant, j'ai tout resserré. Et donc là, on voit bien l'arrondi. Ça, ce sera le bout du pied. Donc là, on a fait un nœud hybride. Et dans le dernier espace, qui est donc juste ici, on va venir faire 6 brides dans le même espace, 5 pardon, excusez-moi, 5, et avec les 3 mailles en l'air du départ, ça nous fera donc 6 brides, ça fera l'équivalent de 6 brides. Donc hop, j'attrape les deux brins, chose faite, donc tout dans le même espace, 5 brides, 1, 2, 3, 4 et 5. On va venir fermer ce premier tour. Il y aura 3 tours au total pour les semelles. En faisant une maille serrée, donc en glissant dans les deux brins là, hop, une maille coulée. Décidément, je dis un peu des bêtises. Donc, une maille coulée ici. On va faire une maille en l'air pour démarrer le second tour, une seule maille en l'air, et on va venir commencer, on va venir faire 5 mailles serrées, donc 5 mailles serrées dans les 5 mailles suivantes, et la première en fait c'est tout de suite là où on vient de faire la maille en l'air, donc une première maille serrée, 2, 3, 4, 5. Dans la maille suivante, on va venir faire une demi-bride. Donc une demi-bride, c'est ça commence comme une bride, donc un jeté. On pique le crochet, on récupère notre fil derrière, on refait un jeté. Et là, on va passer dans les 3 brins en une fois. Ensuite, on fait 5 brides. Donc une bride par maille. Et on fait ça 5 fois. 2, 3, 4 et 5. Là, on arrive au tournant un petit peu de la semelle et on va venir faire 2 brides dans chaque maille. Et ça, on va répéter l'opération 7 fois. Donc 2 brides dans cet espace là, pardon, 2, 2, 2, et ça on le fait 7 fois. Donc première maille, 1, 2, seconde maille, 1, 2, donc on est à 4, troisième maille, 5, 6, quatrième maille, 7, 8, cinquième maille, 9, 10, sixième maille, 11, 12, 12, et enfin, 7e maille, 13 et 14. Donc, on a quelque chose qui ressemble à ça.
Et on va remonter de l'autre côté un petit peu en miroir. Donc 5 brides dans chacune des mailles suivantes. 2. Donc une bride par maille. 3. 4. 5. Ici, on va faire... Je vais déjà venir couper le petit fil qui m'embête là. Plutôt que de me battre avec, on va le couper. Ça va déjà ça de gagner. Donc, on a fait nos 5 brides. On va venir faire, comme en face, la demi-bride. Donc, un jeté. On récupère notre fil de l'autre côté. Un nouveau jeté. Et on passe d'un coup dans les 3 brins. Comme de l'autre côté, 5 mailles serrées maintenant. Donc... 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, il nous reste 4 mailles. 1, 2, 3, 4. On va venir faire 2 mailles serrées, pardon, dans chacune des mailles. Donc au total, 8. Donc première maille. 1, 2, deuxième maille, 3, 4, troisième maille, 5, 6, et quatrième maille, 7 et 8. On vient ici faire une maille coulée, donc on passe le crochet ici, hop, maille coulée, on a fini le second tour. Donc si tout est ok, vous devez avoir ça doit ressembler à ça. Et là, on va venir commencer le troisième tour. Le troisième tour, on commence par 2 mailles en l'air, 1, 2, et on va venir faire une bride par maille, et on va le répéter 13 fois en commençant dans l'espace qui correspond aux mailles en l'air qu'on vient de faire, donc ici. Donc c'est parti pour 13 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, le fil qui se dédouble, 12, 13. On arrive sur le bout de la semelle et là on va venir faire dans les 9 mailles suivantes 2 brides à chaque fois, donc 18 au total. Dans chacune des mailles, on viendra faire 2 brides. Première maille, 1, 2, 3, 4, troisième maille, 5, 6, quatrième maille, 7, 8, cinquième maille, 9, 10, sixième maille, 11, 12, 7e maille, 13, 14, 8e maille, 15, 16, et enfin 9e maille, 17 et 18.
Donc on a ça et on va repartir dans l'autre sens et on va venir faire 14 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc là, on en est là. Et là, on va venir faire, et ben, pareil, en miroir avec de l'autre côté, on va venir faire 2 brides dans chaque espace. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18. Comme en face. Première maille. 1, 2. Deuxième maille, 3, 4, 5, troisième maille, pardon, 5, 6, quatrième maille, 7, 8, cinquième maille, 9, 10, sixième maille, 11, 12, 7e maille, 13, 14, 8e maille, 15, 16, 9e maille, je crois que je me suis trompée dans mon compte, hein. C'est pas logique ce que je vous ai dit, mais en tout cas, il y a 9 mailles et ça fait 18 à la fin. Fermer le tour ici. On a nos 3 tours et on a surtout notre semelle de terminée. Donc là, on vient de finir la semelle, on peut couper le fil. Donc cette semelle, on va la mesurer. Elle fait 10,5 et normalement elle fait 5,5 de largeur, ce qui correspond grosso modo aux 3 mois. Si jamais vous voulez des chaussons plus grands, ce que je vous conseille en fait, c'est de garder le même fil, mais prendre un crochet numéro 4. En revanche, si vous voulez des chaussons plus petits naissance, gardez crochet numéro 3, en revanche prenez du fil plus fin. Sinon, ça va vous donner quelque chose de très, très serré, très difficile à travailler. Donc ça, c'est la semelle. Je vous laisse faire la seconde semelle. Et on arrive pour le bottillon avec les augmentations, les mailles en relief, les brides en relief, etc. etc. A tout de suite. Mes 2 semelles sont terminées. On va pouvoir faire maintenant le reste du chausson. Tout à l'heure, je vous ai dit augmentation, pas du tout. Ce sont des diminutions et des brides en relief. Donc, je mets ma 2e semelle de côté et on va faire avec celle-ci. Donc, je vais prendre le fil blanc. Je viens faire un petit nœud coulant ici. Et en fait, ici, on a les 3 dernières, les 2 dernières mailles en l'air qu'on a fait au dernier tour. Là, on va venir passer comme ça, de cette façon, sur le côté de ces mailles. Et par derrière. Donc, on se retrouve avec les 2 mailles en l'air comme ça et comme ça. Et on va venir, hop, le petit nœud coulant qu'on a fait là, on vient l'attraper comme ça. On va le faire ressortir ou pas.
Si, on va y arriver, on va y arriver. On va le faire ressortir de cette manière-là. Et là, on monte deux mailles en l'air. Et là, on va faire des brides en relief. Je vous montre ça tout de suite pour ceux qui ne savent pas. Donc, hop, la bride, elle restera comme vous avez l'habitude de faire des brides. Donc, le jeté. Sauf que là, on va passer entre les deux mailles. On va pas venir piquer comme on aurait fait ici. On va venir piquer ici, entre les deux mailles. On va repasser par derrière et on va venir attraper le fil par derrière. Donc en fait, le crochet, ça vous fait comme on a fait tout à l'heure. Enfin, il y a deux secondes là, pour attraper le nœud coulant. Donc on est par derrière avec la bride et on finit de la travailler. Le jeté, la bride d'à côté et on finit la bride de ce côté là. On passe ici, ici, on l'attrape par derrière. J'essaye de m'approcher un petit peu. Alors hop, la bride comme on aurait fait habituellement, donc un jeté, on passe entre les deux brides là. On contourne la bride en quelque sorte, on vient attraper le fil par derrière et donc le fil là il va se glisser devant, on le voit ici. Le jeté, deux brins, le dernier jeté, deux brins. Hop. Là, si vous voyez bien. Donc ce que j'avais oublié de vous dire et que j'ai mis en petite annotation, c'est qu'il vous faut 60, à la fin de la semelle, en fait, normalement, vous avez 64 mailles. Il faut, de toute façon, coûte, que ce soit un chiffre pair, excusez-moi, puisqu'on va le faire après une alternance de brides en relief, avant et arrière, et donc c'est vraiment une sur deux. Donc il faut, de toute façon, que ce soit un chiffre impair. Et 64, c'est ce que vous devez avoir s'il n'y a pas d'erreur. Et idéalement, c'est ce que vous devez avoir tout court, puisque sur les diminutions, après, dans le reste du tuto, vous allez être bloqué. Donc j'espère que vous voyez bien le geste, là. Hein. Et donc, on va faire une bride par maille. Hein. Une bride par bride, je dirais même, puisque là, on pique même pas dans la maille, on pique devant la bride et on va faire tout le tour comme ça. Je sais pas si vous voyez, si vous arrivez à vous projeter sur ce qu'on est en train de faire. En fait, on est en train de faire le premier rang ici le long de la semelle. Donc on va faire tout le tour comme ça, on va faire toutes nos mailles comme ça. Pour rappel, ceux qui ne savent pas, on peut ralentir la vitesse de lecture sur YouTube, tout comme on peut l'accélérer quand on a compris quelque chose, quand c'est un passage qui n'intéresse pas, etc. etc. On peut agir sur la vitesse de lecture YouTube, donc on peut diviser, on peut aller jusqu'à diviser par deux la vitesse de lecture, donc c'est très très lent. Ou alors multiplier par deux, et là, à ce moment-là, ça va très très vite. Donc, on va faire le tour comme ça. En dessous, vous voyez, ça vous fait comme un point de couture. Une semelle cousue, comme chez le cordonnier. C'est pas la classe, ça? Donc, tout le long, on va avoir cette petite répétition, cette petite barre, qu'on voit très bien ici, et qui est permis, en fait, par ce jeu de bride relief. On fait le tour, je fais le tour, vous faites le tour et on se retrouve à la fin de ce premier tour. Et le tour d'après, on commence les brides en relief une sur deux. Donc je vous montre aussi. Donc on se fait ce tour là et on se retrouve. Je viens de finir mes 64 brides. Donc voilà ce qu'on a sous la semelle. Ce petit point rigolo un peu couture.
Et là, on va venir faire une maille coulée un peu différente de ce qu'on ferait d'habitude. On va passer ici. On va la faire en relief, en fait, cette maille coulée. Je sais pas si c'est clair, je vais vous montrer. Donc, hop, je suis ici. Donc, j'ai ma 64e bride ici. Je vais passer le crochet là. Hop, j'attrape là et je coule ma maille de cette manière là. Là, on va venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va commencer notre alternance de points relief en commençant par l'arrière. Alors, là, c'est un point relief par l'avant. On va faire une bride. On fait exactement ce qu'on a fait pour toute la semelle. On commence par ça. Celle d'après, ça va être l'inverse. On fait la bride et on ressort le crochet, on le passe par en dessous et on le ressort par-dessus. Et hop, on le ressort par-dessus, on fait la bride. Celle suivante, ça sera par derrière. Par devant. Par derrière. Devant. Derrière. Devant. Vous voyez le relief que ça fait. Donc on a une ligne de bride à l'avant, une bride de bride qui est plus en recul, et on a l'inverse de l'autre côté évidemment. Donc c'est ce qui nous fait un petit peu ce relief là, comme ça, ces lignes là. Donc on va faire tout le tour comme ça. Une en avant, une en arrière, une en avant, une en arrière. Hop. Devant, derrière. Et si votre compte est bon, votre dernière maille sera comme ça par l'arrière. Ça sera celle-ci. Ça sera comme celle-ci. Hop. Par l'arrière. La dernière ici, ça sera à l'arrière. Puisque votre maille coulée, en fait, on fait en sorte qu'elle soit en relief en avant. Je vous laisse faire le tour. Et je vous remontre ici comment on fait la maille coulée en relief. Donc faites le tour et on se retrouve de suite. On est là. Deuxième rang terminé. Et je vais vous remontrer comment le fermer. Donc comme je vous disais, la dernière maille doit être une bride arrière. Parce que la première, on fait en sorte que ce soit une bride avant. Et donc là, sans faire de jeté, je passe comme ça. Comme si, comme je faisais les brides avant jusque là. Hop, et je coulisse. Ce qui donne le relief d'une bride avant. De nouveau, 3 mailles en l'air. Et on recommence l'alternance de brides avant et arrière. Donc, toutes ces brides en relief. Nos 64 brides en relief. Et on fait monter progressivement en fait le petit bottillon au final. Donc on arrive, voilà. C'est une technique qui peut vous permettre également de faire un petit panier par exemple. Vous aurez compris comment ça peut fonctionner. Alors il y a plusieurs façons de faire, mais ça en fait partie. C'est une des techniques qui en fait partie. Le second tour en fait, enfin le troisième tour pour le coup, est identique au deuxième. Donc rien à faire d'autre que l'alternance. Et à partir du quatrième tour, on va commencer à faire des diminutions qui va permettre d'avoir le bout de la chaussure et de lui donner la petite forme rigolote et arrondie qu'on voit ici. Donc ça, c'est grâce à des diminutions. Vous faites le tour, moi aussi, et puis on se retrouve. Là, j'ai fini le troisième tour.
Je vous remontre une dernière fois comment on le ferme ce tour. Hop. Et hop. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, on va venir faire. On va venir travailler que les 11 premières brides pour le moment. Donc, toujours en alterné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et à partir de là, on va commencer les diminutions en ne travaillant que les brides qui sont en relief avant. Donc, on va faire en sorte que ces deux brides-là deviennent une seule bride. Et on va répéter l'opération 6 fois. Je vous montre uniquement bride avant. Hein. Donc, je fais mon jeté, je passe comme ça en dessous, je fais un nouveau jeté, je passe, un autre jeté, je passe dans les deux brins, je ne finis pas la bride ici, je viens faire un nouveau jeté et je vais piquer dans la bride avant suivante. Je passe comme ça, jeté, deux brins, et là je vais faire un jeté et je vais passer dans les trois brins directement. Première diminution. La deuxième diminution à côté, je fais la même chose. Troisième diminution. Quatrième. Cinquième. Sixième. Alors, on arrive au petit arrondi de l'avant du pied. Et en fait, ces diminutions, ça a pour effet de réunir à chaque fois les brides. Donc ça, on l'a fait à 6 reprises. Donc on a 6 brides qui ont été réunies. Il y en a même 7 là, non ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah non, 6. Donc on est bon, 6 brides. Et là, on peut reprendre notre tour de façon tout à fait normale, en n'oubliant pas le relief arrière ici. Parce que le relief arrière, on l'abandonne que à l'avant de la chaussure. On garde sur l'arrière, le relief arrière. Donc on alterne, comme on fait depuis le départ, une bride avant, une bride arrière. Hop. Et on va comme ça jusqu'à la fin du tour. On va y aller ensemble. Pour ce premier tour, hop, de diminution en tout cas. Ces brides relief, ça peut aussi vous servir à faire des côtes. Il y a plusieurs techniques pour faire des côtes au crochet, ça en fait partie, en fait, cette alternance avant-arrière. Et ça peut vous permettre donc de faire des poignées pour un pull, d'encolure, etc. C'est exactement la même technique. Un coup en avant, un coup en arrière. On va arriver à la fin du tour. Donc hop, là ma dernière bride et je ferme mon tour
toujours de la même façon depuis le départ, en coulisses comme ça, 3 mailles en l'air. Et là, on va faire d'autres diminutions. On va donc travailler les 7 premières brides en alternance, arrière-avant, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et comme au premier tour de diminution, on ne s'occupe plus des brides arrière pour le moment, on vient travailler celles qui sont en relief en avant. Et donc hop, première diminution, et on va aussi réunir celles qu'on a déjà réunies tout à l'heure. Donc là on avait 2 qui n'en faisaient plus qu'une, 2 qui n'en faisaient plus qu'une, et ben ces 4 là elles vont en faire plus qu'une. Je vous montre. Donc on passe sous les 2 brins comme ça, sous les 2 brides, pardon. Hop, on passe ici, on ne finit pas la bride, on vient chercher la diminution de tout à l'heure de cette manière là, on passe en dessous et on ferme comme on ferme depuis tout à l'heure. Je vous remontre. On ne termine pas, on refait un jeté, on repasse sous les 2 brides qu'on avait réunies tout à l'heure. Un jeté, 2 brins, un jeté, on ferme. On va venir le faire une autre fois ici. Donc, hop, on attrape la diminution tout à l'heure. L'autre diminution de tout à l'heure. On passe les 3. Et de la même façon qu'on a fait de l'autre côté, on va venir réunir ces 2 brides là. Donc, hop. Hop. Et on tire. Les diminutions pour ce tour-là sont terminées. On peut reprendre de façon normale l'alternance. Donc arrière, avant, etc. Je vous montre ce que ça donne. Ça commence à faire un petit pied de mini. Copine de Mickey. Donc on a une petite ballerine comme ça. D'ailleurs, vous pourriez, par exemple, vous arrêter là, faire une bride autour de la cheville pour avoir une petite sandalette, par exemple. C'est tout à fait possible. Donc là, on est là. Si je sors du champ de la caméra, vous voyez rien. Hop. Donc, on en est là. On va finir le tour en alternance. Et on va avoir un dernier tour avec encore des diminutions. C'est le dernier tour de diminution, le prochain. Donc, finissez le tour. Moi aussi. Et on se retrouve tout de suite. L'avant-dernier tour de diminution est terminé, donc c'était le deuxième. Et on va venir faire un troisième. Donc 3 mailles en l'air. Cette fois-ci, on va faire uniquement 3 brides alternées. Une arrière, une avant, une arrière. Donc on est là, on va faire des diminutions, mais on viendra, je sais pas si vous voyez là, en fait, on a le centre de la chaussure. Donc là, on travaillera pas, en fait, ça on travaillera uniquement comme une bride normale, en fait. On va faire une diminution ici, une diminution ici, ça veut dire que tout ce qu'on a fait tout à l'heure, on réunit tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on les réunit en une seule. Donc une diminution là,
une diminution ici. Ici, on fera une bride normale, enfin en relief, mais simple, sans diminution. Et ici, on recommence avec, on réunit ça et ça. Et ici, je vous montre. Donc, hop. Toujours uniquement sur les brides en relief avant. Donc, là, on vient réunir ça. Et ici, il faudrait presque prendre 4 brins. Mais comme vous êtes dans le haut, ça n'en fait que 2. On essaye de tirer un peu pour pas que ça fasse des gros trous. Ça fera un trou, hein, mais ça fait pas de gros trous. Ici, au milieu, on fait une bride en relief, mais une simple, sans diminution. Et on repart de l'autre côté, on fait une première diminution, on réunit tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Je le maltraite, hein, le chausson, vous voyez. Ne vous inquiétez pas, il reprend sa forme. Et là, notre dernière diminution, pardon, sur, j'ai failli aller trop loin, sur les deux brides en relief suivantes. Donc, hop, là, on a fini nos diminutions, on a fini le dessus du pied de ce petit chausson. On va venir faire finir le tour là, et on va refaire un tour complet de brides en relief. On va déjà finir ce tour. On revient quand on est ici. On a fini nos diminutions. On vient faire 3 mailles en l'air. Et là, on va prendre les brides, je dirais, comme elles se présentent. Donc ce qui est en relief va rester en relief. Donc hop, avant, arrière. Tout le devant va être en avant, forcément. Donc hop, 1, 2, trois, quatre. Tout ce qu'on a réuni en fait, on le considère comme étant une seule bride. 5. Donc deux de chaque côté et celle du milieu. Et là, on reprend notre alternance arrière, avant, arrière. On est arrivé à l'issue du tour et de nos augmentations. Et là, on va venir faire la maille coulée. Mais on va faire une maille coulée normale. Et on va venir la piquer comme on l'aurait fait dans une, pour une bride classique, en fait. Hop, c'est coulé. Là, on ne fait que 2 mailles en l'air. 2. On va venir retourner le chausson. Et là, on va commencer une rangée de brides. Normal, on revient au bride classique. Donc des brides tout à fait classiques. On en fait une par maille. Alors, on va redonner un petit peu de forme à ce chausson que j'ai maltraité, mais vraiment fortement maltraité même. Donc, on arrive à avoir le chausson comme ça. Donc là, la partie qu'on est en train de faire là, c'est la partie qui est pliée ici. Et on va tourner comme ça, et on va faire 4 tours de bride.
tout simplement, pour pouvoir avoir ce petit revers après. On peut avoir ce type de finition avec les petites étiquettes, et on peut avoir également, parce que vous allez voir que je les ai également fait en jaune, ici j'ai fait des mailles coulées, en fait, je fais des mailles coulées comme ça, et du coup ça fait une autre finition. C'est vraiment propre à chacun, vous allez pouvoir faire un point dentelle, enfin ça je vous laisserai faire à la fin, voilà, mais là vous allez tourner et faire 4 tours de bride pour avoir voilà, cette hauteur là qu'on va pouvoir replier en deux par la suite et avoir le petit chausson terminé. Donc on va faire les 4 tours, on va se revoir à la fin des 4 tours et on va faire aussi la deuxième chaussure. D'ailleurs, accessoirement, on va peut-être se revoir à la deuxième chaussure parce que c'est les deux pieds de la même façon. On ne fait pas gauche ou droite pour les bébés. De toute façon, après, ils grandissent et ils mettent leurs chaussures à l'envers. Donc, ça ne sert à rien de se casser la tête. 4 tours, on termine et on revient avant de commencer la deuxième. À tout à l'heure. Ma petite chaussure est terminée, le tutoriel également, forcément, le deuxième pied étant exactement le même que le premier, je vais également le faire pour avoir la paire, tant qu'à faire. Hein. J'espère que ça a été clair, que ça n'a pas été trop compliqué à suivre, même si je sais que parfois je bafouille. Voilà, j'essaye de faire les choses le plus naturellement possible. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ce qui a amélioré, ce que vous aimez bien, ce qui a amélioré. Ça m'aide aussi à avancer, c'est pas mon métier, donc voilà, avoir des avis constructifs c'est aussi super sympa. Abonnez-vous à la chaîne, ce qui vous permet d'avoir les nouveaux tutos qui arrivent. Ça me permet également d'avoir une notification si vous m'envoyez un message. Enfin voilà. Des likes, des commentaires, des abonnements, tout ce qui est cool pour faire progresser sur YouTube. Je vous laisse faire la deuxième chaussure. Je vous laisse également choisir la personnalisation que vous allez vouloir, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, là j'ai fait un petit point très très simple, une petite bordure qui rappelle la couleur de la semelle. Ici j'ai fait le choix de mettre une petite étiquette, les petites étiquettes tendance actuellement. Fake amour, made with love, le petit cœur de l'autre côté. Donc j'ai fait une chaussure de chaque, hein, comme ça pas de jaloux. Voilà, j'ai mis d'un côté dans un sens et puis dans l'autre sens de l'autre côté. Voilà, j'ai essayé de faire un petit truc un petit peu sympa. Vous allez faire la deuxième chaussure, j'espère que vous aurez tout compris déjà pour faire la première et que vous aurez un petit bébé bien au chaud. Par les temps qui deviennent un peu difficiles en ce moment, on va pas se mentir, hein. Vivement l'été quand même. Quoique, en été, c'est plus difficile de faire du tricot et du crochet, donc je sais pas. Finalement, je ne sais pas. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi, je vous dis à bientôt.